tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Yo la famille, c'est Erito. Ce sera une vidéo rapide, une vidéo faite à la va-vite. Voilà. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire parce que je sais que les fans de DJ Rafa ne seront pas contents d'entendre encore cette vérité-là. Voilà. Il s'agit encore là d'une histoire d'Aminan versus Sava Ali de DJ Arafat. Bon les amis, vous allez parler. Moi-même Erito, j'ai apprécié, j'ai validé Sava Ali de DJ Arafat. C'est parce que vous étiez dans un débat de plagiat que je vous ai dit d'arrêter ce débat-là. Parce que vous risquez de contredire votre DJ Arafat. Maintenant, constat. Amine est sorti, Sava Ali est sorti. Mais vous savez qu'actuellement, malgré que Ariel Chiné a mis Amina avec 0 abonné sur sa nouvelle chaîne Vevo, il dévance DJ Arafat de plus de 6000 vues. Vous le savez? Vous parlez seulement. Vous pensez que c'est nous les sorciers de DJ Arafat? Je pense que les sorciers de DJ Arafat, il y en a beaucoup parmi vous. Oui. Pas tous les fans de DJ Arafat, mais il y a beaucoup. Les gueulards là, je pense que c'est vous les sorciers de DJ Arafat. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a plus de 467 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Vous allez me dire que sa chaîne YouTube a un problème. N'importe quoi. Voilà. Vous ne savez que bavarder, mais je ne pense pas que vous le soutenez. Voilà. Vous savez seulement le soutenir en insultant tous ceux qui essaient de lui dire certaines vérités. Même quand on ne l'insulte pas, vous, ça vous énerve. On doit venir dire, DJ Arafat, c'est un ange. DJ Arafat, c'est un ange. DJ Arafat, c'est un ange. Non. Il a des petits côtés démons aussi. Il a des petits côtés noirs en lui. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous réagissez en commentaire. Vous essayez d'argumenter ça. En faisant ça, je vais vous faire une réponse demain. C'est ça qui est la vérité en fait. C'est triste, mais c'est la vérité. Voilà. Actuellement, Amina d'Ariel Chiné se comporte très bien. Même si le son de DJ Arafat est aussi lourd, je parle en thème de vue. Et puis, quand je regarde les statistiques en fonction de la nouvelle chaîne d'Ariel Chiné et de la chaîne très puissante, très à grande audience de DJ Arafat qui a plus de 467 000 abonnés, je pense que là Ariel Chiné surplombe bien pour le moment où actuellement vous êtes en train de lire cette vidéo là, ça va aller DJ Arafat. Parce que bon, ce que vous ne savez pas, vous avez créé un buzz autour d'Amine et DJ Arafat. Non, excusez-moi, d'Ariel Chiné. Vous avez créé un buzz. Et c'est ce buzz qui se manifeste sur les vues. Voilà. Ariel Chiné n'avait jamais aussi progressé si rapidement 5 jours sur un son audio. Il n'avait jamais aussi progressé si rapidement. C'était toujours avec les clips. Mais actuellement, Ariel Chiné te fait les 238 000 vues actuellement où je suis en train de vous parler. Pendant ce temps, notre DJ Arafat, il a, je crois, 233 000 vues. Peut-être qu'il coupe maintenant, mais c'est 234 000. Quelqu'un qui a 460 000 abonnés. Arrêtez de bavarder, ok? Arrêtez de bavarder. Voilà. Les fans de Bordeaux, soyez branchés parce que à la fin de cette vidéo, vous allez voir un peu ce qui va se passer au Vélodrome. Voilà, je vous ai réservé une surprise. Et les fans de DJ Arafat, tous ceux qui aimeraient bien voir les spectacles de Bordeaux, regardez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Vous allez bien voir ce que c'est qu'un spectacle de Bordeaux actuellement dans sa tournée européenne. C'est très important. Donc les amis, vous voyez un peu, non? Arrêtons de s'insulter, arrêtons de créer de l'animosité entre nous. Soyons véridiques, soyons vrais et très objectifs. Voilà. Actuellement, le petit a commencé à 0 abonné. Il avait 0 abonné. 0. Mais actuellement, tu l'as vu, il dévance DJ Arafat. C'est le triste constat. Et les démons affluent la toile. Voilà. Plagiat ou pas, moi, c'est pas le débat. Au moins, j'ai fait deux vidéos qui ont été très claires. Voilà. J'avais même fait un sondage pour faire une vidéo de clarification. Mais j'ai dit que c'était pas la peine. Parce que si je fais trop de vidéos, ils vont encore dire que j'ai un problème avec DJ Arafat. C'est pas le cas. Voilà. Même si j'ai apprécié le son de DJ Arafat, mais je peux vous dire actuellement, le son d'Ariel Chiné dévance bien celui de DJ Arafat. Voilà, ça va aller intéressant. Mais Amine, c'est du loup. Et actuellement, on attend le clip.
Et bientôt, vous aurez le clip. Bientôt, parce que Trace Africa a commencé à diffuser le clip d'Ariel Chiné. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le clip, c'est un clip qui est vraiment joli. Voilà, vraiment, vraiment joli. Avec cette sublime dame-là, cette sublime fille-là. Je crois elle est ghanéenne, non? Ouais, ghanéenne ou béninoise ou togolaise, je ne sais plus. Voilà, qui fait le scénario avec Ariel Chiné. Donc, ça va chauffer. Voilà. Peut-être que le clip de Ça va aller, DJ Arafat va venir contredire mes propos. Mais pour l'instant, Amina d'Ariel Chiné se comporte très très bien. Et il a dit que c'était juste un son pour s'annoncer. Voilà. Et puis, il a fait un truc. Il a fait un truc qui m'a bien plu. Il a fait un post comme quoi il dit, vous ne savez pas de quoi je suis capable quand je suis très énervé. Ça veut tout dire. Et je crois encore, il y a des semaines en arrière, il disait que les lions ne font pas des girafes. Pour vous dire quoi? Lui, il n'est pas en concurrence avec Didier Arafat parce qu'il vient de la maison de Didier Arafat. Voilà, c'est vous qui vous fatiguez pour rien en fait. Lui, il vient de la maison de Didier Arafat. C'est pour dire qu'il détient les secrets pour contrecarrer Didier Arafat et pour lui tenir tête. Mais ce n'est pas ça son objectif. Même si le mec est puissant, mine de rien, il est aussi le petit, l'ex-petit d'un puissant. Donc quelque part aussi, c'est un puissant. Voilà. Côté talent, on le reconnaît tous. Ariel Chiné, c'est du lourd. C'est du gros, 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 gros lourd. Voilà. Donc les amis, chers fans d'Arafat, la Chine, dites-moi ce que je dis là. Est-ce que c'est faux? Actuellement, Ariel Chiné se comporte très bien avec Amina. Voilà. Moi, j'ai pensé que avec les 467 000, les plus de 467 000 abonnés de Didier Arafat, vous alliez vraiment partager au max la vidéo. C'est-à-dire, c'est au moins la moitié de cette chaîne-là allait vraiment se défouler sur Ça va, Didier Arafat, pour vraiment augmenter les vues, pour dire vraiment c'est un tube. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît un tube en fait. Voilà. Ne me parlez pas des noms, les vues sur YouTube ne comptent plus. Quand ça ne vous arrange pas, ça ne compte plus. Les vues YouTube comptent beaucoup. Voilà. Regardez par exemple PNL, le groupe PNL. Qu'ils ont fait sortir ODD. Ils ont fait près de 10 millions en un jour. Mais on a vu. On a vu les fruits de ces 10 millions en un jour là. Dix d'or, je crois, en 2 jours. Dix de platine en 3 jours. Peut-être qu'ils feront le dix de diamant avant un mois. C'est pour dire que quand il y a de l'engouement autour de toi, quand il y a l'engouement autour de ton album, autour de ton hit, là, ça se manifeste sur tes vues. Voilà. Sinon, si YouTube ne comptait pas, ces artistes-là n'allaient pas prendre comme Lucane pour se faire vendre sur YouTube. Voilà. On aura assez dit les vérités. Et puis, les fans de Bordeaux, soyez branchés. Juste après mon allocution, vous allez voir un aperçu de ce qui va se passer au Vélodrome. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Hérito a fini de parler, je sais que beaucoup seront fâchés, mais c'est encore la vérité que j'ai dit. Marche de partage et venez me contredire. En fonction de vos commentaires, je ferai une vidéo demain. Voilà, que Dieu vous bénisse en ensemble. Parler Trump. Regardez à ma gauche, c'est peu. Regardez à ma droite, c'est peu. Regardez à ma haut, c'est peu. Regardez à ma haut, c'est peu. Regardez à haut, c'est peu. Regardez à haut, c'est peu. On fait du bruit. Tu es content d'être ici, fais du bruit pour toi. Oh.